Ça fait désormais une semaine que je joue au taquet à Final Fantasy, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de lives sur le sujet, et je reçois pas mal de questions qui se ressemblent et qui sont à peu près les mêmes, qui viennent d'univers de joueurs de WoW qui commencent FF14, ou autre, hein, mais en tout cas des personnes qui commencent FF14 et qui sont assez déroutées par pas mal d'aspects du jeu, et j'aimerais bien revenir sur ces points-là pour en discuter un petit peu plus en détail, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, et donc on va tout regrouper dans une seule et même vidéo. C'est parti! Dans un premier temps, le premier truc qui fait le plus parler, parce que forcément c'est le premier truc qui arrive réellement, c'est le GCD. Le GCD sur FF, oh là là, il est long. Donc par exemple, on va dire là, je suis sur mon personnage, encore là j'ai un GCD un petit peu plus court qu'au début, mais de base, le GCD sur Final Fantasy, c'est 2,5 secondes. Donc quand tu fais une action, on peut voir mes sorts qui se rechargent, je peux refaire une action. Je peux refaire une action. Et on se dit, donc par exemple sur WoW, pour savoir, pour comparer, sur WoW c'est une seconde sur certaines classes, quasiment aucune, mais genre voleur, et sur la plupart des classes, on est sur du 1,5 secondes, ok? Donc on va dire, normalement c'est 1,5 secondes, ici on est sur du 2,5 secondes, et donc tu fais, ah, c'est ultra long. Le truc, c'est que sur des jeux comme WoW, le GCD, il est, si tu as un sort, il est déjà sur quasiment tous les sorts. Si tu as un gros CD défensif, si tu as un sort qui fait des dégâts, par principe, ça va être un GCD. Par exemple, dès qu'il y a un pi, tu vois tout ton burst, ce sont des GCD, et tu fais plein de GCD. Il y a quelques trucs hors GCD sur WoW, mais pas tant que ça. En général, ce sont les buffs de dégâts, directs, ou les trinkets, raciales et compagnie, et que tu vas mettre sur une seule et même macro, et que tu vas utiliser toutes les 2 minutes ensemble, et tu vas même pas spécialement les cliquer de façon séparée. T'as certaines classes qui en ont pas mal, genre le voleur finesse, genre le dégât givre, mais la plupart des classes n'en ont pas tant que ça, les trucs hors GCD, et donc, bon, tu étais plus habitué à utiliser le cycle du GCD. Sur FF, l'approche n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que tu as des sorts qui font des dégâts qui sont hors GCD. Donc déjà, on n'a plus cette notion de « fait des dégâts égale GCD ». C'est une notion qui est complètement différente. On a également une autre notion, un peu comme sur WoW avec la hâte, c'est que tu as une stat, la vivacité, qui influence le temps de lancement et de recharge des techniques d'armes, En gros, ta vivacité va te permettre de pouvoir récupérer un GCD plus court. Donc tu as certaines classes qui vont être petites là-dessus. Tu as également un autre truc, c'est qu'au niveau de FF, le GCD, c'est quelque chose qui est flex. Sur WoW, ça bouge très très peu. Sur FF, ça va pas mal bouger. C'est-à-dire que, par exemple, tu as des buffs. Donc, imaginons mon ninja, là. Si je fais T-R-E, ok, je me mets un buff. Là, tu peux voir ici, qui dure pendant 70 secondes. Et en gros, ce buff-là, il fait que mon GCD est plus court. Donc, par exemple, désormais, là, je suis passé à 2 secondes de GCD sur mes sorts. Et là, tu vois, je suis que niveau 40 au niveau de mon ninja. J'ai pas d'opti spécial à ce niveau-là et compagnie. Déjà, tu as pas mal de classes où ça va réduire ton GCD, les buffs qu'ils ont à maintenir. T'as la même chose avec Samurai et compagnie. Donc déjà, faut savoir que c'est quelque chose qui est modulable et qui peut encore rétrécir. Que t'as des sorts qui peuvent être hors GCD. Par exemple, c'est pareil. Ici, les stuns, sur WoW, un stun, c'est tout le temps en GCD. Tout le temps. Un sort de contrôle est en GCD. Sur FF, c'est pas le cas. Par exemple, ici, je vais te montrer, je vais activer le GCD avec une touche. Et je vais stun. Et tu vois, le stun est passé, pourtant j'ai lancé mon sort. Donc le stun de base, par exemple, que tu as sur n'importe quel DPS corps à corps, le fauchage de jambes, c'est quelque chose qui est hors GCD. Outre ça, tu as également différentes formes de GCD suivant ce que tu joues. Là, c'est un petit peu particulier, mais par exemple, le ninja, il a des touches qui sont sur un GCD beaucoup plus court. Par exemple, ici, si je fais Ten, Chi ou Jin, j'ai un temps de recharge qui n'est pas le même. J'ai 0,5 secondes de temps de recharge. Donc, tu vois, le GCD va très très vite, très très vite. Donc il y a également cette notion là, c'est-à-dire que tu peux avoir des GCD qui vont ultra rapidement, des GCD qui sont plus longs, et tu as beaucoup de sorts à faire hors GCD. Et c'est vraiment là-dessus que c'est basé, c'est le fait que plus tu vas avancer dans le jeu, et suivant la classe que tu vas jouer, tu vas te retrouver avec un paquet de trucs à faire hors GCD, beaucoup de sorts qui vont être des buffs, qui vont être pas mal de choses que tu vas pouvoir faire pendant ce frame de temps là. Que ce soit même du déplacement, ça peut être un dash sur un pote, etc, t'as des trucs comme ça, tu peux les faire hors GCD, même tes CD de mobilité, ouais. Donc, c'est déroutant au début. Au début, t'as pas beaucoup de sorts. Également, l'autre truc, c'est qu'au niveau de FF, tu te retrouves à vite avoir rapidement beaucoup, beaucoup de sorts. Et clairement, le fait d'avoir un minimum de GCD, ça te permet également de bien décider quelle va être la suite. Bon, là, j'ai pris l'exemple du ninja. C'est pas le meilleur, parce que ninja, c'est très, 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 très fast-paced. Comme tu vois, hein, t'as GCD 0,4 et compagnie. Donc, je vais repasser sur, par exemple, Samurai, où ça sera un petit peu plus, legit, parce qu'évidemment, ninja, c'est un peu triché de te montrer qu'un ninja. Donc, on va prendre le samouraï. Ok, désormais, je suis un samouraï. Donc là, encore une fois, c'est trop bien. Juste un même personnage qui peut changer
de classe et compagnie. Donc dans le cas du samouraï, comme tu peux le voir, et encore je suis loin d'être, je suis pas encore au niveau max, hein, loin de là, c'est 80 le max, je suis 52. Tu te retrouves avec, au niveau des sorts que tu dois utiliser, tu te retrouves avec dans ton cycle d'épaisse au moins 12 sorts. Donc t'as tes 3 types de combos différents que tu dois faire, t'as des sorts hors GCD que tu dois faire, et compagnie, et compagnie, et compagnie. Là, par exemple, samouraï. On va prendre par exemple Komi Mishiha sur Cloud of Darkness, qui a fait une énorme parse, voilà, plein de dégâts. Donc on va aller checker rapidement. Donc on va dans ses casts, timeline, ok, c'est comme Warcraft Log, c'est trop bien, ouais, je sais, c'est les mêmes, et du coup, bah, c'est ultra simple pour moi de me repérer là-dessus. Déjà, tu peux voir le nombre de sorts utilisés. On en est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ok, 24 sorts. Alors, il y a des défensifs, etc. Mais il y a 24 sorts qui ont été utilisés. Déjà pour te donner un ordre d'idée de la profondeur du jeu. Donc oui, ça va pas se limiter au juste fait de faire 1-2. Clairement, on va beaucoup plus loin. Et la plupart des sorts là-dedans sont des trucs liés à son DPS, sont des trucs hors GCD et compagnie. Et regarde, quand tu regardes le cycle, est-ce que t'as l'impression qu'il y a eu sur, allez, on va dire les 25 premières secondes, est-ce qu'il y a eu que 10 sorts qui ont été lancés? On en est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On est sur 18 en 25 secondes. Ok, donc là on est sur un truc qui est déjà plus rapide que quasiment tout ce que tu pourras trouver sur pas mal d'autres jeux. Et en fait, le truc c'est que comme tu peux le voir, c'est toujours énormément. C'est pas genre t'as un sort toutes les 2 secondes ou autre, c'est tu enchaînes. Tu as plein de trucs à faire, plein de combos différents, plein de machins, et tu as beaucoup de touches DPS. Donc en réalité, le jeu met effectivement du temps à démarrer. Et du coup au début quand tu démarres le jeu, t'as l'impression, tu te dis mais est-ce que je vais pas me faire chier sur le jeu parce que moi j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin de faire des trucs et juste faire 1, 2, 1, 2, toutes les 2,5 secondes, c'est pas drôle. Mais c'est un jeu qui va vraiment prendre du temps et le fait de démarrer un jeu en 2021, faut également reprendre ça et remettre dans son contexte. C'est un démarrage de jeu, c'est un MMO et c'est un MMO qui va te mettre le temps de te mettre bien dedans. Donc voilà, ça c'est pour le GCD. Le deuxième aspect qu'on parle pas mal, c'est l'interface. Donc ok, moi j'ai pas une interface optimisée encore, j'ai pas encore pris le temps de l'optimiser. J'ai envie d'attendre un petit peu plus loin dans le jeu, de voir quels sont réellement mes besoins pour optimiser l'interface. Donc là je suis avec le truc de base, ok. Le truc c'est que c'est beaucoup une question d'habitude. Quand on est habitué à quelque chose, c'est beaucoup plus simple pour nous de que ça reste sur ce format là. Et quand c'est différent, c'est chiant. Et donc au début, on est dérouté parce que c'est pas comme d'habitude. Les barres de vie sont pas comme d'habitude. Les barres des monstres sont pas comme d'habitude. Notre barre de vie et nos HP à nous sont pas comme d'habitude. Et au final, bah, c'est un petit peu dérangeant. Bon, à savoir que quand tu vas taper un monstre et qu'il va te taper en retour, déjà, ta barre de vie va s'afficher direct sur ton perso. Déjà, du coup, t'as également l'information ailleurs. Et au début, ça peut être déroutant de te dire, ok, les sorts, le design et machin. Mais au final, tu peux bien bouger les choses. Par exemple, je vais te donner un exemple. Dans mon cas, moi, ça, c'est une de mes barres de classe. J'ai 3 combos à faire. Donc là, il y a la barre de classe et je les vois de façon très claire. Je peux également changer le design de cette barre de classe. Mes buffs, par exemple, de base, ils sont en haut. Mais moi, je les ai mis là, en gros. Tu peux changer à tout moment ton interface comme tu veux. Tu as juste à faire échappe et ATH. Et là, boum, ça t'affiche toute ton interface. Et à partir de là, tu peux décider de bouger, de mettre tout ce que tu veux n'importe où. Par exemple, ici, mes effets bénéfiques, je les ai mis juste à côté. Parce que c'est un truc que je dois traquer. J'ai 2 buffs à maintenir. Donc pour moi c'est important de pouvoir le maintenir. Là ça va être une autre jauge qui est par rapport à ma classe. J'ai mes debuffs également qui sont affichés là où je veux. Et en fait tu peux absolument tout bouger et tout changer comme tu veux. Et par exemple si tu peux même grandir ou pas les trucs. Par exemple là j'ai ma marque Setsugeka qui est le truc de samouraï qui permet de machin. Je peux très bien décider de augmenter, changer la taille du composant. Donc je peux le mettre en plus grand, en plus petit. Je peux augmenter sa transparence. Je peux simplifier l'interface de job. Donc ce qui va changer l'apparence de celle-ci. En réalité, faut voir que quand tu arrives sur une interface de base, c'est pas forcément, et ça sera très probablement pas ton interface late game. Mais au final, tu vas pouvoir la bosser et en faire quelque chose qui te plaît et qui te convient. Et ça, c'est vraiment important. C'est de savoir qu'elle est comme ça de base, mais tu as le moyen de pouvoir changer de base exactement tout comme tu veux. Et au final, c'est loin d'être un souci et tu peux avoir des informations affichées comme il te plaît. Bon, pour l'aspect Wikora like et compagnie, honnêtement, je ne sais pas encore à quel point ça sera dérangeant ou pas, mais je pense que rien qu'avec l'interface et comment tu peux le bouger, t'as moyen de faire une interface et un truc déjà qui est pas mal opti. Ensuite, il y a le nombre hallucinant de cinématiques. Au début,
et de quêtes, quêtes cinématiques, ça peut être un peu déroutant aussi. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est, et ça, ça pour le coup, il n'y a pas de workaround. Hein. C'est soit tu aimes le fait que tu sois immergé dans l'univers, qu'on te raconte des choses, que ton personnage soit une partie intégrante de tout ça, et d'avoir des quêtes, et de profiter un petit peu de l'univers, du décor, de regarder ce qui se passe, et d'être emmené dans cette histoire-là, soit t'aimes pas. Mais c'est un côté qui est vraiment plus proche d'un RPG. Tu vas enchaîner, en tout cas pour le leveling, tu vas enchaîner beaucoup cette partie RPG, beaucoup les quêtes, l'histoire, etc. Et le but de FF, c'est que tu sois vraiment embarqué dans tout cet univers-là. C'est que tu te connectes et tu te dis, putain, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? J'ai envie d'aller voir la suite. Et si t'as pas envie d'aller voir la suite, si ça te plaît pas, c'est probablement que le jeu n'est pas pour toi. Parce que pour le coup, le HL est super intéressant. Il y a du vrai contenu HL, il y a des trucs ultra cool. C'est des raids 8, etc. Donc ça change pas mal de choses. Et on pourra y revenir un petit peu plus tard. Mais dans tous les cas, il y a comme une réalité, c'est que tu vas avoir pas mal de quêtes et tu vas avoir pas mal de cinématiques. Et tu vas être vraiment projeté dans cet univers-là. Les personnages sont très travaillés. L'univers géopolitique également est super travaillé, de façon à ce que tu comprennes quels sont les différents acteurs et compagnie. Et leur but, c'est pas juste que tu joues au jeu, mais c'est que tu comprennes quelle est ta place dans tout ça. Et que du coup, tu te fasses au décor, tu comprennes quel est cet endroit, pourquoi t'es dans tel endroit, etc. Le but, c'est que tu prennes le temps au début du jeu. Et que tu viennes pas avec des avis préconçus, mais que tu laisses le temps au jeu de prendre et qu'ensuite tu vois si ça te fait kiffer. C'est vraiment comme ça qu'il est conçu. Il y a un autre aspect qui on me demande énormément, c'est au niveau des serveurs. Donc tu peux avoir plusieurs serveurs. T'as plusieurs serveurs, donc je vais essayer de te trouver une image. Ok. Donc là par exemple, quand tu es en Europe, t'as deux types de baies de serveurs, Chaos, Light, et ensuite parmi ces baies de serveurs là, t'as plusieurs sous-serveurs. L'idée, c'est que normalement, alors il y a toujours des moyens de workaround, il y a les link shell et compagnie, mais on va pas tout rentrer dans cette vidéo là. Mais l'idée, c'est que si tu es sur Chaos, tu peux jouer avec tous les gens de Chaos pour à peu près tous les contenus, sauf pour quelques exceptions comme les compagnies libres qui sont l'équivalent des guildes. Mais en gros, tu peux faire quasi tous les contenus en étant sur Moogle avec quelqu'un qui est de Cerberus. C'est vraiment l'idée, c'est que si tu es sur le même groupement de serveurs, c'est quasiment comme si tu étais sur le même serveur. Et du coup, si tu es francophone, je t'invite fortement à aller sur Chaos, parce que c'est là où il y a la plupart des personnes, plus particulièrement sur Moogle. Voilà, Moogle, c'est un peu là où il y a le plus de francophones. Donc si tu as envie de jouer avec d'autres francophones, et même d'ailleurs avec moi, parce que du coup, j'ai aussi switché sur Moogle, Chaos, ok, va sur Chaos. Sinon, ils vont, avec la prochaine extension, faire en sorte que les serveurs soient encore plus joignables et que tu fasses encore plus de contenu avec d'autres serveurs. Donc il y a de grandes chances qu'à partir de fin novembre, tu puisses jouer comme tu veux, entre Chaos, Light, etc., et que tu n'aies quasi pas de restrictions. Mais en réalité, c'est quand même assez chiant au début de pouvoir trouver, ajouter un ami, etc., des gens qui sont sur d'autres serveurs. Donc je te conseille fortement d'aller sur Chaos et sur un des serveurs de Chaos, donc par exemple Moogle, qui marche plutôt bien. Après, si t'as envie de switcher un moment, de transférer ton personnage, sache que c'est uniquement 14€ pour switcher ton personnage. Et sur FF, tu ne joues qu'un seul personnage parce que tu as toutes ses classes, etc., etc., sur le même personnage. Donc tu n'as pas 40 personnages à switch, tu as juste un personnage. Et du coup, tu peux directement le bouger pour 14€ au pire en late game. Donc c'est pas non plus la fin du monde si t'es pas à l'endroit final où t'as envie d'être. Donc voilà, faut comprendre un petit peu comment ça marche, n'hésite pas à aller sur Chaos. Tu peux également faire des contenus avec des mecs qui sont sur Light et compagnie, mais ça demande de mettre en place plus d'organisation, et tu peux pas non plus rejoindre leur monde et compagnie. Alors que si par exemple je suis sur Chaos Moogle, je peux aller dans l'environnement au niveau de mon cristal, je peux décider d'aller sur Cerberus. Je vais te montrer tout de suite. Si je vais sur une des grandes capitales, imaginons, on va aller sur Ulda, hop. Donc je fais Ulda, une des grandes capitales, donc bien utiliser le téléport d'ailleurs, c'est important également. Imaginons, je suis sur Ulda, si je clique là, je peux décider de changer, voyager vers un autre monde, et je peux rejoindre un des autres serveurs. Donc, par exemple, si j'ai envie d'aller sur Cerberus, je fais, voulez-vous vraiment visiter Cerberus, et je pourrais participer dans le monde sauvage de Cerberus, ok? Donc voilà, il y a cette notion-là au niveau des serveurs, ça peut être un peu déroutant, parce qu'on sait pas trop comment ça marche. J'espère que ça a pu t'aider. Et l'autre aspect qu'on comprend pas forcément très bien quand on commence le jeu, c'est qu'il y a des classes qui évoluent et il y a des classes qui sont disponibles qu'après. Donc par exemple, quand tu regardes un petit peu le jeu et que tu as envie de te renseigner sur les classes, si par exemple comme moi tu t'es dit, bon moi j'ai trop envie de jouer Samouraï par exemple, sache que Samouraï se débloque qu'au niveau 50. Donc tant que tu n'es pas 50, tu vas devoir faire d'autres trucs. Donc, mais c'est pas grave parce qu'au final ton samouraï quand t'es 50 tu le débloques niveau 50, donc c'est pas du tout un souci. Mais en réalité il y a des classes qui se débloquent que plus tard dans le jeu. C'est par exemple le cas du chevalier noir, c'est le cas de beaucoup de classes hein. Ça va être le mage rouge, ça va être le machiniste et compagnie, le danseur. Et en fait c'est qu'il y a des classes que tu vas débloquer plus tard. Et sinon t'as des classes de base qui sont différentes de la classe que elles vont devenir. Par exemple arcaniste, il peut devenir deux choses. Il va devenir un érudit qui est un soigneur, et il va devenir un invocateur, qui est un DPS magique à distance.
Donc ça, faut pas hésiter à aller te renseigner un petit peu sur internet, ou au pire tu passes sur mes lives, ou au pire tu poses des commentaires sur YouTube, mais sache que du coup les classes de base ne sont pas les mêmes classes que ce que tu auras à la fin. Donc par exemple à la fin, ce que tu peux voir, bah, ça va être sur du FFlog ou autre. Si tu regardes par exemple les classes qui te sont proposées, on va retourner par exemple là-dessus, tac tac tac. Tu regardes par exemple les DPS sur un FFlog, si on fait Statistics. Bon, je prends le cas des DPS, mais ça marche avec tout. Par exemple, du coup, tu vois, tu as Samouraï, Dragoon. Par exemple, Dragoon, c'est le maître d'Ast. Au niveau 30, tu as une quête qui te permet de devenir un Dragoon. Donc au début, tu es un maître d'Ast et tu deviens un Dragoon. Donc en fait, les classes late game ne sont pas l'équivalence des classes que tu débutes. Mais en fait, les classes avec lesquelles tu vas démarrer, au niveau 30, systématiquement, elles vont se transformer. Et les classes que tu n'as pas dès le début, ce sont des classes que tu vas débloquer plus tard. En fait, c'est, la plupart du temps, c'est parce qu'elles ont été débloquées à partir d'autres extensions. Et du coup, tu dois attendre d'arriver à l'équivalent de ces nouvelles extensions-là pour pouvoir débloquer les classes, dans l'idée en tout cas. Donc par exemple, si tu veux être un invocateur, tu vas monter l'arcaniste. Et ce qui peut être un peu déroutant, c'est que par exemple, dans le cas du healer, comme on a dit tout à l'heure, là, boum boum boum, si on prend les healers, jobs, healers, l'érudit, donc le scholar en anglais, tu dois être un arcaniste au début. Et un arcaniste, c'est plutôt orienté DPS, donc c'est un peu déroutant, parce que tu te dis, mais attends, au début, j'ai qu'un healer. Ouais, au début, t'as que le mage blanc. Donc l'élémentaliste qui devient un mage blanc. Et en fait, l'érudit, par exemple, c'est au niveau 30 de l'arcaniste. Et l'astromancien en français, c'est quelque chose que tu vas débloquer plus tard. Donc faut bien prendre en compte cette notion-là, faut laisser le temps un petit peu de comprendre. N'hésite pas à te renseigner sur les classes. Dans tous les cas, comme tu l'as vu là, tu peux switcher à tout moment juste en changeant ton arme. Donc la seule façon dont tu as besoin de faire, c'est juste de changer ton set d'équipement pour changer de classe. Donc, par exemple, moi j'ai le chevalier dragon 40, le ninja 51 et le samouraï 53. Bon voilà grosso modo pour les 5 points qu'on va plus se remonter en live, et j'avais besoin de revenir un petit peu dessus parce que c'est quelque chose qui revient très très souvent et qui peut être bloquant pour les joueurs alors qu'en réalité il n'y a pas tellement besoin que ça que ce soit bloquant. Ce sont pas des choses, à part l'aspect quête cinématique, où là effectivement c'est quelque chose qui est dérangeant pour toi, je comprends que ça puisse l'être, mais honnêtement laisse le temps, c'est vraiment le conseil que je peux te donner vis-à-vis de FF, c'est laisse lui le temps, retire tes a priori, mets-les de côté, laisse-le immerger dans l'univers et vois si ça te fait kiffer. Dans tous les cas, je te souhaite une excellente journée, prends super bien soin de toi, kiffe bien et on se retrouve très vite.